Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Nous continuons donc le fameux Dark Sector. Donc on n'a pas besoin de pénétrer au niveau du marché, ça ne servirait à rien. Donc là c'est un peu inquiétant quand même. On peut pas refermer la porte. Non. Vous voyez que les portes sont vachement hautes hein, quand même. C'est des portes pour géants. Ok. Pour le moment, ça se passe. Les cartouches de fusil à pompe, ça peut être cool. Ah. Alors, c'est pas ce que je voulais faire, mais on peut pas retourner en arrière. Merde. Du coup, on a peut-être loupé quelque chose. Alors. Attends, tu te le prends en pleine tête, tu meurs pas. Je doute que ça va aussi loin. Une ferronne. Je vois pas vraiment où il est le gaz, donc c'est la merde. D'accord. Punaise, ça commence déjà plein d'action quand même. Hein. Tout juste. Même trop juste, je dirais. Mince, là je l'ai loupé. Je sais pas ce que ça fait. Ah, ça le déstabilise complètement. Eh bien. Oh! Ça l'a coupé. Nice! Meurs. Meurs. Waouh. Voilà, tu meurs, j'ai dit. Punaise. Non, je l'ai pas eu. Oh! Toi, t'as vraiment pas de bol. Oh, nice! Brûle! On a utilisé deux chargeurs de fusil de. Enfin, pas de fusil, de pistolet plutôt. Voilà, là tu meurs. Donne-moi ça. C'est pas grave. Pour le moment, il vaut mieux se les faire tranquillement. Là, c'est bon.
Dans le jeu, faut quand même prendre un peu son temps pour bien tirer et autres. Sinon, c'est pas hyper pratique. Mais on va faire pour que ce soit pratique. Et hop. Hein? Tu m'as pas eu là? Ouais, tu te foutais ma gueule parce que bon, j'avais fait la supercharge. 25 000 en pognon, c'est pas mal. Alors, j'ai essayé de regarder un petit peu sur internet. Il n'y a pas de présentation d'autres armes de Dark Sector. Donc, à mon avis, le jeu a pas très bien accroché, je pense. C'est un peu dommage. Donc, ce que je vais essayer de faire, c'est de tester un peu les armes au fur et à mesure. Je vais pas dire que je vais acheter les premières. Mais peut-être qu'à un moment ou à un autre, je risque d'en acheter. Et si je les achète, eh ben, je pense que ce sera vers la fin du jeu, quoi. Je pense, hein. Je suis pas encore sûr, je sais pas comment ça va être, si ça se trouve on va vraiment en avoir besoin, enfin voilà, je sais vraiment pas comment ça va se faire. Mais en tout cas j'essaierai quand même de faire quelque chose pour pouvoir présenter un petit peu les armes du jeu, parce que c'est un petit peu navrant de pas retrouver justement les statistiques d'autres armes. Parce que sinon on va acheter les premières armes, on va se faire couillonner, mais un truc de ouf. Ça j'en suis sûr et certain, hein. C'est pas... Les armes du début doivent vraiment être faibles. Mais après, on va avoir certainement des armes de monstres. Comme dans tout jeu. Hein. Enfin, ça dépend lesquelles. Oh putain. Ouais, nice. Je vais viser les jambes là. Salaud. Il vient à côté de son pote. Il veut me défoncer la tronche. Vous voulez que ça... Oh non. Oh ça... Ah, one shot carrément. J'ai été surpris là. Je vous avoue, j'ai été vraiment surpris. J'ai une arme. J'avais pas récupéré d'arme avant de mourir, moi. Un de moins. Mince. Alors, faut faire gaffe. On va prévoir nos balles, en fait, pour eux, je pense, hein. Ok. Hop. Et merde. Bouge pas. Il n'a plus de aidez-moi à ce stade-là. C'est marche ou crève. On va se mettre là pour le moment. Essayer de pas prendre trop de dégâts. Oh! Kaboum! Kaboum! Voilà. Toi tu meurs aussi. C'est cool. Faut pas s'embêter avec eux. Je vais pas vous dire qu'il faut les rush, mais il faut faire très attention. Il n'y a pas l'impression d'avoir de valise ni rien. Ok. Si ça se referme, bon on est bloqué, ça c'est sympa, waouh. Je sais pas à quoi ça sert là, leur truc, franchement. J'en ai aucune idée. Le grenade, c'est vraiment en cas d'urgence, je crois qu'il faut, faut les utiliser.
Pour le moment, c'est munitions, pognon. Sympa. Moi, ça me va. Là, ça me va moins. Non, je voudrais que tu te mettes sur le mur ici. Voilà. Si je bouge pas, il va avoir un mec ou pas? Apparemment non. C'est des mecs en dessous, d'accord. Allez. Je sais pas si je peux l'avoir. J'en ai eu un d'ici. Ah bah lui, il y a vraiment pas eu de balle. Ah oui, j'en ai eu un, je pense. Ou alors c'est le corps de l'autre, je ne sais pas. Non, je crois que c'est le corps de l'autre, d'accord. C'est quoi ce bordel là? Attendez. Je sais pas comment je vais faire. Mais je vais le faire. J'ai l'impression que ça fonctionne ça. Ah! Run, baby, run. Rambo. Wow. Ça pique quand même, hein. Faut se méfier. Je vais changer d'arme. Mince. Ok. Ça me donne des trucs là normalement. Ok. On est quasiment max au niveau des balles, comme d'habitude. D'accord, j'aurais dû recharger, j'aurais eu le tout quoi. Bon, c'est pas grave. Écoutez, on va récupérer les roquettes. Hein. On sait jamais. Si ça peut être utile. Si on a toujours le Horse Rocket, moi je préfère le garder. Si on peut le prendre, bien sûr. On peut le prendre, d'accord. Donc en gros, il faudrait tout de suite s'en déséquiper, rééquiper plus tard. C'est pas grave, ça va être bon. Parce que le Horse Rocket, c'est la seule arme qui peut pas être destructible, je pense. Il y a du gaz. On pourrait tenter avec un missile, mais je préfère pas.
je préfère les économiser si on peut peut-être faire quelque chose avec. Ça va être utile. On va un peu regarder partout. Ici une porte. Ok, de l'électricité. Donc ça c'est bien. Là ici la porte on peut pas l'ouvrir. Courant un petit peu pour voir. Là il nous faut des flammes, d'accord. Bon alors. Je vais poser mon arme ici. Est-ce que je peux choper l'électricité d'ici? Ouais. Ça c'est cool. Hop. Maintenant, on fait ça. On prend tout de suite les flammes. Je sais plus si en dessous il y avait quelque chose. Je vais vérifier. J'ai pas à dire de bêtises en disant qu'il y avait quelque chose, mais je suis pas sûr. Non, d'accord, il y a juste le truc ici pour dire qu'il y a du gaz. Ok. Donc ça c'est plutôt fait, c'est plutôt bien. Peut-être un truc que je vais tenter là. Parce que je vois qu'il y a des trucs. Si on les neutralise, on va peut-être avoir quelque chose, non? Ça fonctionne pas, d'accord. On va aller un peu plus en haut. J'ai rien récupéré. L'enfoiré. Alors, on court. C'est bon, c'est brûlé. Je crois que j'ai entendu les personnes, mais je ne suis point sûr. Ici, on a un point de repère pour avoir justement des flammes, ce qui veut dire qu'on va certainement avoir encore un passage en haut. On va voir ça tout de suite. On monte. J'ai posé. Non, quoique. Si ça me met un truc comme tout à l'heure. Je reviens dès que j'ai pris des flammes. D'accord? Ah, je savais pas, du coup je perds mon lance-roquette. Embêtant. D'accord, donc pour le moment ça se passe plutôt bien. Cadence de tir! Je vais juste regarder un truc. Non, il n'y a rien. D'accord. Quatre grenades. Par exemple, si je vous coupe la tête, ça peut être fatal aussi.
Ah, c'est ce qu'il parlait. Les fameuses ombres. Meurs. Oh, je l'ai pas vu arriver celle-ci. Je sais pas s'il y a des ennemis en illimité, encore une fois. Ça m'embête un peu. Oui, démontez-le, démontez-le. Mince. Je crois que ça devait être le dernier monstre. Maintenant, il ne me reste plus que les ennemis. Ok. Complètement idiot ce qu'il y a eu là. Wow, 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 recule-toi. C'est bon, il est mort. Il a fallu le temps, mais il est mort. Ok, donc il est à peu près ici. Mort ou pas mort ? M'en douter. Allez, reviens. Pas mort. Blessé, mais pas mort. Je crois pas. On va aller voir. Manière, sinon on risque de stagner là et c'est un peu embêtant. Se faire d'un coup. Ok. Oh là. Y'a du people encore. Un chouïa de la super charge comme celle-ci. Voilà. Oh oh, ça c'est le Enfelon. Ah non, c'est juste des gros, d'accord. Bon, ça fait mal aussi, hein, je vous l'accorde. Salaud, quoi. Oh, mais meurs, quoi. Tu meurs. J'en ai marre. D'accord. Il y a une mitrailleuse dans le coin. Oh bah lui il n'y a pas eu de bol. Il est tombé au mauvais moment. L'autre avec son fusil à pompe il est dans le coin. Mais où? Where is Brian? Ok. Est-ce que tu peux me donner l'arme? Merci. Hop, on la jette. Du pognon.
Et je crois qu'au prochain point de sauvegarde, on va. Enfin, s'il n'y a pas de personne, bien sûr, si c'est calme, on va se mettre au niveau du point de sauvegarde en cours et arrêter la vidéo, bien sûr, parce qu'on aura quand même bien joué à Dark Sector. J'avance tout doucement parce que c'est vrai que ça peut être galère, donc. Je sais pas pourquoi, mais je crois que je suis vraiment très très limite du coup. Regardez, il y a des mecs derrière vous, vous m'attaquez moi quoi. Oh, les deux pour le prix d'un quoi. Oh, génial, nice. Là, j'adore. Et tu veux? Voilà, de 1, de 2. Oh, on peut même pas plus le savate quoi, je suis dégoûté. Ah, il y en a quand même un. Wow, le bordel que j'ai pas fait. Voilà, faut surtout pas y aller quoi. Je crois qu'il y avait une sauvegarde en cours, mais j'ai l'impression qu'il va encore avoir des personnes, donc du coup, on garde. On reste sur cette lancée. Ça sent le piège. Pas qu'un peu. Je vais mettre mon lance-roquette ici. Une mallette déjà comme ça, je vous jure, ça me donne pas trop envie normalement d'y aller quoi. Enfin si, pour récupérer la mallette, mais c'est vraiment pas sécurisé quoi. Serait-ce le premier jeu où on nous fout pas des pièges aux endroits où on s'y attend le moins. Alors là franchement, on aurait pu penser à un piège quoi. D'accord, bon, je prends juste mon lance-roquette. Le RPG-7. Ok. D'accord. Eh ben, les amis, on continuera donc Dark Sector dans très long... Enfin, dans très peu de temps, bien sûr. Mais bon, là, j'avoue que... Il est un peu bizarre le passage précédent là où il n'y avait pas eu de piège, c'est vraiment étrange. Donc à mon avis on va certainement avoir de nouveaux ennemis qui seront bien plus casse-pieds dans les épisodes suivants. Hein. Ce sera sûr et certain. Mais en tout cas j'espère que l'épisode vous aura plu, on se retrouvera donc pour de prochaines aventures sur Dark Sector. Ça y est à tous les amis.